Let's get ready to rumble! Rumble! Yes, salut tout le monde! C'est Fred. Finalement, on a réussi à fermer ce break-là. Ça fait 3 jours qu'on essayait de le fermer par tous les moyens. Et ça aurait l'air que le monde a peur de lui. Des gens qui en seraient jamais revenus. Moi, comme j'ai dit, il y a une légende qui dit qu'il y a une petite McDavid auto là-dedans, ou une petite... petite McDavid auto, là, peut-être là-dedans, là. Moi, je pense que c'est ce qu'ils disent, c'est ce que les légendes disent. Donc, aujourd'hui, en ce moment, je vais remercier les 10 personnes qui ont participé au break, dont des super patients qui ont attendu, ça fait 4 jours, 14. Donc, on va commencer avec Dominique Coron, l'habitué. Merci Dominique. Samson Papy, qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Jean-Philippe. Ou je me suis vu, en tout cas. Salut Papy Samson. Pierre Cadieux, l'habitué. Jean-François Mallette, un autre habitué, dont c'était la fête il y a quelques jours. Bonne fête en retard encore. Steve Terrien, Francis Davidson. D'autres spots par Steve Terrien, Sassi Papy et Yann Richer. Carl, c'est ça. Carl Desrochers, je pense, en plus. Peux-tu ça, je pense que... Mais moi, t'appeler ça sur papier, comme tu veux. Yes, sir, Miller. Donc, là, j'en ai fait, vu qu'on est 10, je l'ai copié 3 fois, chaque nom. Et, comme d'habitude, le dernier qui va se retrouver en bas, le dernier en bas, va avoir Vegas. Et je vous souhaite une excellente chance. Puis je sais que... ça, regarde, vous arrangerez entre vous autres. Il va vous le dire. Ok, donc on va regarder les dés. J'espère que tout le monde a passé une belle journée aujourd'hui. Donc on va devoir brasser ça 8 fois. Et on va commencer tout de suite. En plus, j'ai une petite chemise aujourd'hui comparé à d'habitude. Ouh. Donc, qui va avoir Vegas? C'est ça le plus important. Et le final round. Yann Richer qui va se retrouver avec Vegas. On copie. On s'en va ici. On colle. On fait ça. On rajoute Yann ici. On fait ça. On le ramène comme ça. J'adore. À chaque fois, c'est tout le temps les mêmes affaires que je dis ici. Je fais on fait ça. On fait ça. On le ramène de même. On fait ça. Donc, c'est ça. Rapidement, vous pouvez regarder rapidement vos équipes si vous voulez. Moi, après ça, je vais tout simplement le copier-coller pour le mettre dans le défilement. Donc, vous pouvez regarder rapidement. Les équipes que vous avez. Et comme je vous ai dit, moi, je vais juste copier-coller dans 3, 2. Donc, j'espère que vous avez obtenu des trucs, des équipes que vous aimez. Ça serait le fun. Et là, on va retourner ici. Et on va s'en aller à l'image principale qui est le tapis avec les boîtes. Et puis là, moi, je vais verser ici. J'agrandis ça de même. Et là, je suis prêt à commencer pour vous autres, les boys. Donc... je vais aller au défilement. Je vais insérer le nouveau nom avec les nouvelles équipes. Puis je souhaite à tout le monde des bonnes cartes à soir. Et vous devriez voir le défilement là, qui est vraiment petit. Et voilà, donc vous devriez voir le défilement, mais il va, je vais le couper un peu, fait que là vous allez reconnaître vos noms même si vous ne l'avez pas entier, là. Hein? Ma lettre, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bouger les boîtes, puis tout au long, ça va avoir mieux. Donc là, je pense qu'il y a des gens, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là, non. Donc j'aimerais saluer Yann Richer, qui est un ami à moi. Donc s'il se manifeste pas, je pense que je vais commencer sans lui, c'est pas grave. Donc on va commencer avec l'ice, ça c'est sûr et certain.
Et puis, dans l'avenir, on va essayer de faire le plus de team select possible. C'est juste que on essaie encore de s'adapter vu qu'on n'a pas énormément de monde dans le groupe. On essaie de remplir. Donc, les gens, habituellement, ils veulent plus des breaks moins chers. Donc, c'est random. C'est ceux qui reviennent. Fini avec la Ultimate. Ah, je sais pas pourquoi j'allais ouvrir la Ultimate. Hein? Ah. La Ultimate, c'est la meilleure. On va la laisser ici. Mais non, non, on n'arrête pas. C'est juste qu'on fait à peu près 100 000 random. On va juste faire plus de Team Select aussi. Parce que nous autres, on aime ça breaker, mais on va faire dans les deux. Juste que là, on priorise beaucoup le random depuis le début. On explique pourquoi. Mais là, avec le groupe qui s'agrandit constamment, ben, qu'est-ce qui arrive? Ok, je pensais qu'il y avait de la chicane pour de vrai dans le chat. Oh my god. Ok, donc. On y va. Hey my god, j'étais sûr à 100% qu'on était en train d'assister à une bataille sur le chat virtuelle. Et on y va en commençant, les boys. Je vous souhaite une excellente soirée et des cartes qui vont vous faire plaisir. Parce que c'est pour ça qu'on break, hein? Pour les cartes qui nous font plaisir. Donc, base, green, Brad Marchand, Boston. Le premier hit va à Jean-François Mallette. JF Mallette. Un bon client qu'on adore. Un de ceux qu'on va se souvenir. Quand je disais, là, quand Dom Caron il a fait son commentaire pour dire sans abonner party, puis j'avais dit à 2000 on va se souvenir des vrais, mais Jeff Mallette en fait partie. Et puis salut Mick Como qui veut qu'on break pour Wayne. Et là on va passer à une rookie exquisite Edmonton numéroté 250 sur 299 Evan Bouchard, défenseur Edmonton. Edmonton qui appartient à Monsieur Papi Chulo. Donc belle carte ça, donc une belle carte épaisse en partant dans le premier paquet. Base. Et celle-là, on va la mettre dans un tout de suite ici. Là, vu que c'est notre meilleure carte à date, on va la mettre ici devant tout le monde. On va la même mettre ici comme ça. Là, on va la mettre là. On va passer au deuxième paquet. Donc, pour ceux qui suivent l'actualité sportive, là, ça aurait l'air que Julien Brisebois aurait demandé à Steven Stamkos s'il voulait lever sa clause de non-mouvement. Donc, il essaye de l'échanger, visiblement. Base, Patrick Laine Green, Laine. Il y a des couilles, donc c'est pas grave. Donc, on remercie tout le monde qui participe au break. On vous aime, les boys. On vous aime. Et là, on va avoir une petite première en dessous. On va avoir une petite première ici. Petite première numéro 41. Sheldon Rampal. Première. Numéroté. 545 sur 999. Los Angeles qui appartient à notre ami Steve Therrien. Jean-François Mallette encore. Sébastien Haut. Base. Et on continue. On n'a toujours pas eu notre auto. Base. Tyler Seguin. Le gros numéro 91 des Stars de Dallas. Dallas qui appartient à Pierre Cadieux. Premier hit pour Pierre ce soir. Et avez-vous vu la vitesse de Hugo hier quand il a fait la deuxième chance le soir même? Bouf, bap, bing. Il n'était pas niaisé. Il l'a fait le soir même. C'est couché tranquille. Et là, on va avoir une Sub-Zero. Sub-Zero, Brady Tkachuk, rookie.
Ottawa. Ottawa qui appartiennent à Pierre Cadieux. Donc, deux hits consécutifs. Et là, numéroté 100 sur 999. Et, je me souviens qu'on avait sorti une Brady Tkachuk Rookie Sub-Zero Gold sur 25 signée. La carte était vraiment belle. Mais toutes les Sub-Zero sont belles. Donc là, on va tout de suite la mettre dans un top sleeve. Hey, vous avez, je vais t'upload. Hey boy. Here I am. Nee, 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 nee. Wow. Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme ça? Oh, aime-moi. Donc, une passée pour boule noire. On va la mettre ici, une autre belle carte, hein, pourquoi pas la mettre là. Et là, on va avoir deux base, et ceux-là, on va les mettre ici, parce que c'est pas ça qu'on veut. Et on va les rapprocher, hein, pour qu'on les voit. Base, Sébastien Aho, Green One. Décor en dessous. Mettre ça ici. Petite première. Kiefer Sherwood. Anine. Steve Therrien. 179 sur 499. Donc on dirait que la photo est plus belle de dos. Et base. Oh, donc là, ici, on va avoir probablement une petite carte là. Petite, je le sens. Oliver Ekman-Larsen Green. Et là, je vais protéger ça parce qu'il n'y a pas de decoy et. C'était Oliver Ekman-Larsen Green qui appartient à Phoenix, Arizona. Yann Richer, Green One. Ensuite, on va avoir une. Donc Yann Richer qui vient d'arriver. Salut à Yann. Qui a manqué ça, qui voulait faire un trade pour Philadelphie en plus. Tu t'es retrouvé avec Vegas, mon chum. Puis devine quoi avec Vegas? Tu viens d'avoir une belle petite carte. Une William Carlson Auto Wild Boy. Oh shit. 0,9 sur 50. Une glaciale. Graphus. Graph, une glaciale Graph. Good job. 9, 8 sur 50. On peut dire que c'est un Savage Hit, ça. Good job. Donc, à date, ça, c'est une belle auto, là. C'est cool quand les gars, ils écrivent des commentaires. Wow, boy. Donc, je parlais d'auto tantôt, on vient de la voir. Donc, good job, mon Yann. Je vais te mettre ça dans un. Protéger ça, hein, bien sûr. Je vais mettre ça avec un petit collant. Tout de suite. Donc, Yann qui arrive en retard, qui arrive juste au bon moment. Lui qui a dominé la ligue senior Rive-Nord chez les lanceurs. Yann Richer qui a mystifié les lanceurs tout l'été. Je pense que ça vient de prendre la place de Mister
Et on va mettre ça de même. On va la mettre ici. Donc, Corner et William Carson. Il reste un paquet. Un paquet. Et après ça, on va passer aux choses sérieuses avec la Ultimate. Donc, c'était 10 spots, 3 personnes, 3 équipes par personne et une personne qui avait 4 équipes. Le chanceur était Yann Richet avec Vegas. Victor Hedman, Green One. Big, 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 big winner. Ensuite, Sub-Zero, numéro 13, Mathieu Barzal. Sans son papy, c'est la ice qui est en ce moment une denrée rare de ce qu'on m'a dit. Parce qu'il n'y en a plus à vendre chez aucun fournisseur. Donc, les gens ont de la misère à s'en procurer. Donc là, les bases, et c'est ce qui complète le paquet des ice. Donc, on va regarder. C'est le plus beau hit de la gang. Donc, une petite signature, 8,50 de William Carson. Avec un petit commentaire, wild big, wild big, big wild boy. Et une Sub-Zero Rookie, 100 sur 499, Sub-Zero de Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk, Matthew Barzal. La Rookie, exquisite. 2,50 sur 299. On va la laisser là et on va entamer le bon paquet. Le bon paquet qui est ici. La Ultimate qui ne contient que 4 cartes. Et je vous souhaite, comme d'habitude, que des hits. On va savoir. Le break s'est rempli aujourd'hui. On avait peur de venir. Mais grâce à ce paquet-là, les gens vont regretter de ne pas être venus, de ne pas s'être inscrit plus vite. Parce que. Regardez bien. Là, je veux pas spoiler rien. Et c'est parti. Et là, j'ai hâte de voir si on va avoir des. Est-ce que j'aime ça, ces paquets-là? Ces paquets-là, ils m'excitent au bout. Première carte. Numéro 74. Kings. Ultimate Rookie. Nikolai Prokhorin. Prokhorkin, excusez. 56 sur 299, Los Angeles. Los Angeles qui appartient. Attends, il y a une autre carte qui est sortie tantôt. C'est Jean-François Mallette. Jean-François Mallette qui a beaucoup de cartes dans le. Ben, il mérite ça. Ça arrive souvent, là. Je me souviens, il y a un Ultimate qui avait participé et il n'y avait rien eu, je pense. Alors, il y avait une sur 4 qui était 2 dessus. Une sur quatre, et voilà, celle-là ici, on va la mettre tout de suite dans un decoy. Rookie. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, je prends mon temps, j'aime bien ça. On va tasser la Carlson, puis on va mettre les quatre cartes. Ok. Donc. Next one. Êtes-vous énervé? Moi, je suis énervé. Donc, une Ultimate. Eric Brandstrom. Gros joueur, ça en plus. Bonne recrue. Ultimate Rookie Autograph. Signé, numéroté. 254 sur 299. Ottawa qui appartient à Pierre Cadieux. Félicitations, Pierre. Ça, ce soir, c'est ton plus gros hit.
que tu as eu. Je vais te mettre ça dans un beau petit plastique. Et excusez, j'ai pris deux cartes sans faire exprès. Je veux juste prendre une carte là. Hey, c'est ça. Moi, je fais vraiment attention parce que ça me tente pas. Ça me tente pas de, tu sais, sans faire exprès, spoiler une carte. Puis là, je le sais, man, des fois, c'est pour ça que j'essaie de faire le plus attention possible. Je sais que c'est arrivé. Ok. D'abord, vu que vous dites. Vu que vous dites Canadien dernière, je vais montrer la dernière. Qui est une quad. Carey Price, Patrick Roy, Larry Robinson et Max Domi. Je pense qu'on a un savage hit ici. Oh my god! La rondelle est partie. Oh là là! 19 sur 49. Samson Papé, mesdames, messieurs. Incroyable. Et on peut dire Savage Hit. Pour de vrai, effectivement, là, je vois du monde qui a l'idée ce que Domi. En plus, regardez, le bout à Domi, c'est celui avec des trous dedans. Fait que. Quand même, là, même si c'est Domi, je veux dire, il y a trois légendes là-dessus là. Larry Robinson, Patrick Roy, Le Casso et. Carey Price. Honnêtement, les boys, là, sans faire exprès, j'avais vu qu'il y avait Domi dessus. Là, j'étais comme, oh mon dieu, une Domi. Mais là, pour de vrai, quand je vois que les cartes là-dedans, là. Wouh! Wouh! Ah oui, on va sortir Wayne. Wayne, il est content. Ça, c'est pas la bonne grosseur. Pas la bonne grosseur, ça. Donc Dominique là qui s'offusque parce que Max Domi aurait pas rapport dans l'eau, effectivement. Max Domi a pas rapport dans l'eau. Mais c'est pas grave là, hey, come on là. Tabarouette, et la dernière carte. Il aurait mérité un drum roll. Rookie accent, Teddy Bruger. Pittsburgh, on prend la carte de Pittsburgh à soir qui appartient à Steve Terrien. Donc Steve, qui n'aimait pas ses équipes, au moins se retrouve avec une petite rookie accent signée auto, numérotée 34 sur 65. Donc il se retrouve pas avec rien. Puis en plus, elle est belle. Là. Pour une grosse carte, là, elle est belle. Si je regarde tous les coins, là. Good job. Good job à Steve. Steve. Qui se retrouve avec une rookie accent. Il se retrouve avec la dernière du paquet, hein? Donc finalement, on se retrouvait avec quand même quelques belles pièces là, dans ce break-là. Ce break mal aimé. Ce break où ça a pris... 3 jours avant qu'on le remplisse pour un 10 spots, puis il a fallu faire 16 mini. Mais c'est pas grave. Ça a valu la peine d'attendre pour certaines personnes. La Ultimate, là, c'est rare qu'elle me déçoit, tu sais. Peu importe, là, moi je suis un collectionneur, mais vous avouez que celle du Canadien, elle me fait triper bien raide. Et là, je vais mettre des collants. Et là, il y avait Yann Richer qui parlait de peut-être faire d'autres breaks. Donc, si vous en voulez d'autres. Ah, oh, attends, la troisième Ultimate que j'ai faite, que j'ai capoté avec Martin Brodeur, puis finalement, il fallait pas que je capote, ça a l'air. Avec. Puis la dernière, c'était la Brad Marchand. Je pense. Je sais pas, mais moi, personnellement, je préfère celle-là à celle de Brad Marchand, qui était une sur 85, et qui gagnait la Coupe Stanley, là.
Celle-là, je veux dire. Il y a quand même Patrick Roy et Larry Robinson. Tabarouette. On a eu une petite. Dans la ice, une glacial graph. Otto William Carlson sur 50. La rookie accent, Teddy Bluger. Il y a beaucoup de rookies dans Ultimate. Il y a comme tout le temps plus grosse carte que les autres. Et les deux rookies ici. Ouais, il y a Domi, mais quand même. Domi, c'est pas tant. Il va peut-être connaître une super carrière, puis finalement, on va dire comme good job. Puis les gens dans 7 ans, ils vont se dire que la carte est incroyable parce que Domi est dessus, parce qu'il va faire 100 points par année. Je sais pas. Ça serait. Hey, je l'ai, Domi. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je l'ai aussi, là. Mais si tu me dis, hey, je vais te donner une carte. 4 patchs avec Robinson, Roy puis Price, mais faut que tu acceptes qu'il y ait Domi dessus. Moi je l'accepte. On va te dire, mais on accepte pendant ce team. Et voilà. Donc, c'est ça pour, le sub-break là. Donc, je vous souhaite à tantôt, là, une bonne soirée. Là, moi, à soir, tout ce que je fais, c'est bosser sur des idées sur le site, continuer des images, continuer à avoir des idées. Vous avez des idées, s'il y a des trucs que vous voulez qu'on rajoute sur le groupe ou des idées de break, inquiétez-vous pas. C'est vous, j'ai hâte en esti au série 1 avec Monsieur Lafrenière dedans. Donc, je vous souhaite à tantôt. Yes, sir. Je vais vous laisser avec ma tune préférée qui est le Price is Right. Avec Wayne qui applaudit. Et je vous souhaite du plaisir.